Souvent, la richesse vient de la diversité. Alors, c'est à prendre à plusieurs sens. La plupart du temps, je dis ça à mes clients dans la gestion de portefeuille, pour pas être monomaniaque sur une classe d'actifs, sur un marché. Et c'est vrai aussi des rencontres avec les hommes, en fait. Morning Star France, c'est le cinquième bureau en termes de taille de revenus dans le groupe Morning Star. C'est un groupe qui se développe un peu partout dans le monde. On a beaucoup de clients, sites internet, qui consomment des data. Donc on travaille avec Le Monde, Le Figaro, Les Échos, La Tribune, BFM. En tant que cinquième bureau dans le monde, on est écouté en tant que Français. On pèse dans les décisions stratégiques. Mon N plus 1, c'est la directrice monde, hors US. Et mon N plus 2, c'est le président fondateur. Je suis très impliqué dans les décisions stratégiques, donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Alors je pense que l'ISC a un point de différenciation qui est très net, c'est le monde associatif. J'étais dans l'association RED ISC, donc les expéditions. On préparait un voyage au pôle Nord, une des anecdotes qui était sympa. J'étais responsable de l'association sur Terre, je faisais le lien la trésorerie, la logistique et les relations avec les parents, la communication en fait, parce qu'on avait des communiqués de presse, etc. Et je me souviens que régulièrement, il y avait une pression sur est-ce qu'ils ont vu des ours blancs. Et alors moi, je recevais par fax du camp de base, en fait, l'état de la journée. Et je recevais le nombre d'ours blancs qu'ils avaient vus. On a vu 5 ours blancs, enfin, c'était marqué. Et alors quand je faisais le lien avec les parents, la plupart du temps, c'est vrai, il n'y a pas eu de problème. Notamment, ça va, ils n'ont pas croisé d'ours blancs. Et je disais non, non, donc j'étais obligé de mentir. L'arrivée, au retour, après 2 mois, les parents étaient tout contents. Ah, ça va, ça s'est bien passé. Bon, c'est dommage, je n'avais pas vu d'ours blanc. Bah si, on en a vu 55, ah bon. C'est une bonne école pour une période de crise comme aujourd'hui. Il faut toujours faire plus, en fait. C'est toujours plus. On ne s'en va pas sur ses lauriers.